tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a, non, presque rien préparé. Bonne année ! Bonne année ! Ce ne serait pas de l'impro. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me nomme Ise Brassel et je serai votre hôte du jour pour ce podcast plein de bonne humeur et de bonne année, bonne année ! Sinon, ça ne serait pas de l'impro. Je suis accompagnée, comme toujours, des talentueux et talentueuses, Hicham El Hamouri. Sinon, ça ne serait pas de l'impro. Et Manuel Levert. Bonne année. Je vous promets, on ne fait pas que ça pendant les impros. Parfois, on dit d'autres choses. Prout. Par exemple. Ou caca. Non. Alors venant de moi, je ne suis pas surpris, mais venant de toi, je suis un peu pris à revers. Et c'est la nouvelle année, je fleuris, je grandis, je diffère. Je suis une femme nouvelle. Et mais quand il s'agit d'un épisode présenté par Ise, justement, quitte à dire des choses débiles, allons jusqu'au bout. Oui. Quand il se présente, c'est la question débile du jour. Non, ce ne serait pas de l'impro. Alors, c'est une question débile, mais un peu responsabilisante. Oh. Ok. Manu, Hicham, si vous aviez la possibilité de faire tatouer l'autre, qu'est-ce que C'est-à-dire que l'autre se fasse qu'on décide ce que l'autre se fait tatouer. Oui, c'est ça. Okay, d'accord. Juste décider du dessin. Ce serait bien exécuté, évidemment. On doit être premier degré, on doit être quelque chose qu'on souhaite vraiment pour l'autre. Ou c'est une blague. À toi de décider. Alors, si ça avait été Ise, ça aurait peut-être été un sexe sur un sourcil, mais c'est pas ce qu'on demande. Non, ce n'est pas ce qu'on demande. Pour Hicham. Je préfère sur Hicham. Moi, j'ai une idée. C'est du troll. Hein. Vas-y, troll nous. Profiter de la longueur des bras et jambes de Manu pour écrire le plus long extrait d'une œuvre de théâtrale possible. Mais genre, oh oui. Tu vois, mais en tournant, pas en revenant à la ligne. Tu fais une ligne continue qui s'arrête pas et tu vois juste combien tu peux écrire. Quoi. Wow. L'objectif est d'avoir le truc le plus long possible. Quoi. Et yeah. Je pense qu'il y a de quoi faire. Pas mal. Ouais. Je pense que la circonférence n'est pas énorme, mais on a... C'est des rails, quoi. Eh bien, de mon côté, ce que j'imagine bien, c'est écrire genre PR sur l'aisselle d'Hicham et OUT sur son creux de main. Quand il fait le geste, ça passe prout. En fait, il faudrait plutôt PR sur la main et OUT sur le. Ça dépend sur de quel côté. Tu vois. Bah, et comme ça, en plus, tu vois, les gens, ils verraient genre OUT ou PR sur ta main. Ils feraient, mais c'est quoi, Hicham? Et puis genre. Faudrait que je sois torse nu pour que ce soit fait, évidemment. Oui. Waouh, c'est du génie ce truc. Il y a un vrai concept. Il y a un vrai concept. Je sais pas si je me ferais tatouer les mains. Je pense pas, mais le concept est séduisant. Pour tatouer les mains, c'est chaud. Juste un petit prout là, tu vois. Juste un petit prout. Mais moi, j'aime bien l'idée de l'assemblage entre les mains. Oui, ouais. Ça, c'est ouf. Et c'est sourire. Waouh, c'est du génie. Ah, peut-être que génie. Dans un mois. Ça, au moment de la diffusion du podcast. Non, on a vu ça plutôt dans 2 ans, si ça se fait. C'est peu probable, hein, mais on ne sait jamais. Mais du coup, tu sais faire le bruit. Pas bien, mais je pense que ça résume bien mon amour pour. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est un geste que j'ai. Je l'ai entendu. Je crois que j'ai entendu dans le casque. Au secours. Et c'est un geste, en tout cas, que j'ai vu très très souvent faire Hicham. Wow. C'est inspiré d'une histoire vraie, en tout cas. Ah, ok, d'accord. Je crois que t'avais une anecdote spécifique. Ah non, non. Oh non, il y en a tellement. Ou alors, la version soft serait un gant sur lequel il y a OUT et un t-shirt sur lequel il y a PR. Mais c'est peut-être moins drôle. Tout de suite. Et toi, Ise, si tu pouvais faire tatouer Léa, qui était notre invitée du mois passé, qu'est-ce que tu lui ferais tatouer? Ah, Léa étant ma sœur... Son visage à elle. Un deepfake en live. Mal fait. Je lui ferais un Shrek sur le mollet. Genre un Shrek dessiné comme sur les pancartes avec attention au gros méchant. Ah oui. Tu vois. Mais je vois pas. C'est cartoonesque comme ça. Dans Shrek, il y a des affiches qui font attention au gros méchant. Voilà. Okay. Mais c'est juste genre une espèce de boule verte avec deux antennes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok.
C'est très premier degré, ce n'est pas très drôle. Je ne matcherai pas les carpettes, enfin les tapis. Pardon ? Non, mais ça c'est... Non. Manu parle de mon vrai tatou, mais ce n'est pas. Ah, les carpettes, ok. D'accord. Pardon. Peut-être qu'on ne doit pas garder ça en live. De toute façon, elle a déjà fait un coup de cœur sur. Dessus, oui, donc, c'est ça, ouais. Ma carpette personnelle. Vraiment. Si vous voulez vous faire tatouer les tapis, allez chez Laïs Tatou. Est-ce qu'on est là pour parler tatou ? C'est vrai que c'est confortable, mais on est là pour faire de l'impro au final. C'est vrai. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Bonne année. Hey. Et la première impro est proposée par Manu. Mais oui, c'est vrai. Et nous démarrons l'année en fanfare, puisque nous reprenons la saga de On n'a rien préparé. Ce que de nombreuses auditrices nous demandent à cor et à cri à chaque épisode, dans les nombreux commentaires YouTube qui pleuvent, la suite des aventures de Sybille et Monsieur. Il s'agit donc de la suite de ce qu'on pourrait appeler la campagne JDR de Narp, dorénavant. Ouais, c'est vraiment vrai. Donc rappelons-nous que dans l'épisode précédent, Monsieur avait fui sur la banquise, loin de l'influence néfaste de Sybille. Sybille était venue lui l'appeler à l'aide parce que son empire ovin a été mis à mal par des dissensions internes. Et... par un concours de circonstances malheureux mais distrayant, Monsieur a été transformé en écureuil domestique. Oui. C'était la seule manière... Planté avec un manchot. Voilà, c'est ça. Il s'est fait planter par un manchot ou avec un manchot. Ah oui, avec un manchot par Sybille. Et le grand médecin ovin qui accompagnait Sybille n'a rien trouvé d'autre que d'utiliser l'écureuil domestique qui traînait par là pour transférer la conscience de Monsieur dedans. Créature redoutée par mon Sybille. Dieu. Et oui. Et je vous ai préparé un petit pitch parce que nous allons faire une petite ellipse. Oh waouh. Pour la suite des aventures. Tu as décidé de où on serait dans la relation. Exactement. Je vous cadre un petit peu plus. Ça y est. Le MJ déploie ses ailes. Exactement. Attention. C'est la guerre. Le gouvernement ovin, privé de la bergeronne Sybille, est divisé et gangréné par la corruption. Les hordes manchottes des glaces éternelles déferlent. Une légende prétend qu'au cœur de la laine se trouve un fil, un espoir. Il paraît bien près de se rompre, mais pourrait tout briser ou tout lier. Encore faut-il le retrouver. Sybille et Monsieur sont partis en quête de ce fil. Dans un empire ovin dévasté par la guerre, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour cet épisode, je me suis armé d'un tableau des rencontres aléatoires. Et à tout moment pendant la séance, pendant l'impro qui va suivre, je pourrais lancer un dé sur ce tableau pour voir quelle rencontre aléatoire vous allez faire dans les terres dévastées du chaos et de l'empire ovin privé de la bergeronne Sybille. Attention, c'est parti. T'arrives ? Mais je suis fatiguée, monsieur. Sybille, vous... C'est comme ça. Et au bout d'un moment, il faut prendre vos responsabilités. Vous avez abandonné vos responsabilités pour courir après vos démons, apparemment moi. Eh bien voilà, voilà ce qui se passe. Mais je suis fatiguée de courir après ce fil, monsieur. J'ai perdu tout espoir, mon royaume est en ruine. Et nous marchons depuis des jours. Je ne sais pas ce que j'ai manqué dans mon éducation. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Sybille, je ne comprends pas. Vous fuyez les choses, les responsabilités. Vous fuyez la droiture morale. Je suis extrêmement déçu. Et soudain, premier lancé, où vous tombez sur une rencontre étrange. Je vais mettre en scène. Non. Ah oui, vous êtes déçu ? Eh bien, moi, je suis pas déçu. Peut-être que vous soyez devenu cette horrible créature que vous êtes. Allez ! Oh Dieu ! Allez-y, vous êtes plus agile et plus petit que moi. Oui, que se passe-t-il ? Je
Des gens, je suis tombé dans ce piège à ours. À l'aide. Mais est-ce fou? Oh mon Dieu! Je rends civil. Mais c'est un civil! Vite, il faut l'aider! Attrapez ceci! Mais Bergeron, c'est trop tard pour moi! Il faut que vous sachiez! Il faut que vous sachiez que le fil n'est pas loin! On ne dit pas ça! Allez dans le sens du vent! Non, on ne dit pas ça! Et le fil qui sauvera tout vous trouvera! Non! Oh mon Dieu! Monsieur! Quoi donc? Regardez! Dans sa laine! Il y a un indice. Oh, je suis le fil magique. Ce n'est pas un indice, c'est le fil lui-même! C'est le fil lui-même! Mais non, espèce d'idiot, je ne suis pas le fil lui-même! Je suis le fil magique, est-ce que t'as vu? Mais je suis là parce que je fais partie du fil magique! Oh mon Dieu, il est en plusieurs parties! Un humain dans un corps d'écureuil, comme c'est étrange, hein? Un bout de laine qui parle! Oh! J'imagine que vous ne voulez pas retrouver votre corps si c'est comme ça. Très bien, dans ce cas, je ne vous indiquerai que la quête principale. Fil magique, pour retrouver le fil magique, allez dans le sens du vent pendant encore 20 oises, et puis toquez, et vous trouverez. Waouh! Vous avez entendu, vous pourrez peut-être retrouver votre corps. J'ai entendu. Mais le veux-je vraiment? Je ne suis pas sûr. Tout ce que j'entreprenais tant que j'étais un humain, échoué dans les conditions les plus catastrophiques. Tout ce qui me reste de mon humanité, c'est cette débâcle que vous êtes, Sibylle. Oh, mais eh bien, si c'est comme ça, je vais aller toute seule dans le sens du vent si vous êtes désagréable. Ah oui, Sibylle, vous allez toute seule. Ah ben, je suis curieux de savoir ce que vous avez réussi à foutre en l'air en allant toute seule. Eh ben, je croyais que c'était vous qui foutiez tout en l'air avec votre malchance, hein. Ah oui, mais moi, j'essaye de faire bien. Il y en a d'autres, ils font de la merde. Sans essayer. Soit. Alors que vous vous disputez, nouveau lancer, et un épais brouillard se lève. Tellement épais que même Sibylle et Monsieur qui se trouvent pourtant à 2 ou 3 mètres l'un et l'une de l'autre n'arrivent plus à se voir et commencent à entendre des bruits étranges autour d'eux. Ah, c'est ça, je vais dans le sens du vent. C'est ça, oui. Non, mais je ne dois pas avoir peur. Je n'ai pas besoin d'aller chercher monsieur. Ce n'est qu'un brouillard. Ce ne sont pas des écureuils domestiques. Ce ne sont pas des canards dressés. Tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez? Dans le sens du vent. Dans le sens du vent. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qui? Tu parles pas? Oh. Qui? Une curie de métier qui parle pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, qu'est-ce que toi tu veux? C'est toi qui es sur mon territoire. Je ne fais que suivre une assistante dans l'espoir qu'elle arrête de semer le chaos et la zizanie. Ton assistante? Toi aussi tu es un humain dans un corps d'écureuil domestique? Je pensais être le seul. Toi aussi, tu es le fruit des expériences du médecin au vin. Oui. Oh là là, les gars, il y en a un autre. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Comment? Oh, enfin, j'ai suivi le sens du vent, j'ai fait toutes les instructions, et le voilà, le fil. Nous arrêtons là. Quoi? Sur ce cliffhanger de ouf. Mais je voulais savoir le fil. Et oui, comme nos auditeuristes qu'ils sauront la prochaine fois. D'un côté, Monsieur a trouvé une colonie d'écureuils domestiques abritant l'esprit d'humain. De l'autre côté, Sibylle a retrouvé le fil d'or qui lui permettra peut-être de sauver son empire. Alors bizarrement, je trouve que ma storyline est plus claire que la tienne. Tu vas avoir... Ah bon? Tu crois? Ton ellipse, je te laisse avec ça. Ne vous inquiétez pas, le MJ n'a rien préparé, tout va bien se passer. Je te laisse dans ta quête secondaire, on se retrouve à la guerre des manchots, ok?
Ta quête principale et ma quête secondaire. Hein. C'est chacun son, sa perspective. Ouh, pas mal. Donc j'en profite pour remercier les personnes qui ont créé une table aléatoire pour Cold Breath, table des rencontres aléatoires des terres de Surikimla. C'est un vrai nom de setting de jeu de rôle. Surikimla. Merci à vous pour cette belle table. Et c'était quoi la rencontre aléatoire? C'était du brouillard avec des écureuils humains dedans? Du brouillard. Ah, okay, un d'accord. Brouillard épais. Okay, d'accord. Il y a eu d'abord un piège à ours et puis il y a eu un brouillard épais. Ok, d'accord. Voilà. Après, j'ai brodé dessus. Ouais, je me suis dit. Ça m'étonnerait que ce soit extrêmement spécifique, genre un brouillard épais occupé par des écureuils humains. Mais ça tombe très très bien, je trouve. Ah, merci. Enfin, quelqu'un qui reconnaît mon talent. Mais oui, je sais. D'ailleurs, c'est moi qui présente, du mais coup, oui. Je vais passer à la prochaine improvisation présentée par moi-même. Oh, wow. Je vous propose, cher Jean. Une marabout. La marabout, oh. Comment cela fonctionne? Et comment cela fonctionne? La fin de chaque réplique prononcée par les joueuses doit être le début de la réplique suivante. Au niveau du son, je vais dire sonoriquement, comment je le dirais? Phonétiquement. Phonétiquement. Less is more, si t'avais pas dit ça, ça aurait été parfait. Comme ouais, mais non, ça n'aurait pas été moi sinon. Ah d'accord, pardon. Tu vois. Donc c'est le jeu marabout, bout de ficelle, tutti quanti. Je vais vous donner un mot pour commencer. Et votre mot sera montagne. Et c'est parti. J'ai l'impression que le tunnel n'est pas stable. Stable ? Le tunnel n'est pas stable ? Mais non, voyons. Je l'ai creusé de mes propres mains pendant que tu faisais une sieste tout à l'heure. C'est mon chef-d'œuvre. Vraiment, je ne suis pas à l'aise. Chaque fois que je donne un coup de pioche, je sens des gravillons tomber du plafond. Au fond, c'est vrai que... Mais enfin, mais qu'est-ce que... Mais t'as retiré la poutre de soutènement ? Mensonge ! Mensonge ! Elle était moisie et percuse de moisissure. J'ai dû la retirer. Sinon, ça aurait été une catastrophe. Je l'ai remplacée, mais peut-être que... Je suis désolé, je vous avais dit que je n'étais pas ingénieur. Enfin, ce tunnel sous la montagne, ça me paraît à deux, le faire à deux, ça me paraît illusoire. Moi, j'essaye, mais voilà. Là, vraiment, vous commencez à m'énerver. On était d'accord, Roger. On voulait traverser ensemble jusqu'à la mer qui se trouve de l'autre côté de cette montagne. Et maintenant, vous remettez tout en cause. Tout ça parce que peut-être que les matériaux que j'utilise ne sont pas de première qualité. Terriblement embarrassant, cette histoire, hein, quand même. Parce que... Vous auriez accepté de prendre le TGV comme n'importe qui, ça aurait pas été un problème, hein. Mais bon, là, il a fallu creuser le tunnel, il a fallu faire des économies, faire du do-it-yourself. Self-awareness, c'est la première chose à avoir dans ce genre de cas. Alors, venez avec moi avant que toute la montagne s'écroule sur vous, parce que allez, viens. Oui, oui. Et y a quelqu'un de l'autre côté, derrière les roches. Cher patron, je pense que nous avons atteint quasiment l'autre côté. Il suffit d'un dernier coup de pioche. Si nous achevons le travail, nous serions de l'autre côté et peut-être vivants. Vent, j'ai eu vent que vous creusiez le tunnel. Ne le faites pas, vous condamneriez notre peuple. Please! Nous sommes à deux doigts d'y arriver! Allez, un dernier coup de pioche! Oh non! Vous nous avez tous tués, le peuple de la montagne. Oh
cette dernière phrase, mon Dieu. Il faut vite donner un contexte de fin. Vite, vite, vite. Oui, parce que personne ne l'avait compris, sinon. Oui, non. Je pense vraiment que c'est un problème manqué d'informations saugrenues de dernière minute. C'est vraiment ce qui me manquait à cette improvisation pour qu'elle soit vraiment efficace, bien claire, pour que le plateau soit complet. J'aurais pu vous donner des prénoms aussi dans la dernière phrase. Étienne, Richard. Honnêtement, paradoxalement, je pense que ça aurait été plus clair. C'est vrai. Voilà. Dieu. Moi, j'aime toujours autant les vides dans les yeux des joueurs. Par contre, ouais. Toi, t'es vraiment le pire pour donner des pièges. Hein. Do it yourself. Chaud quand même. Waouh, comment se mettre des bâtons dans les palmes, franchement, bravo. Les bâtons dans les palmes. Eh ben bravo. Bravo. Je m'en lave les mains. Il est temps de passer à votre improvisation, do it yourself. Ce n'est pas mon prénom, je précise. Hein. C'est son prénom, il nous ment depuis déjà ces 3 saisons. Et nous allons continuer avec une improvisation ambiance musicale live. Oui. Donc bonne année. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Nous allons continuer donc avec une improvisation musicale live, c'est-à-dire une ambiance musicale live, c'est-à-dire que je vais bêtement jouer de la guitare live. Bêtement, toujours. Non. C'est pas le fait de jouer de la guitare qui est bête. C'est simplement jouer de la guitare pour installer une ambiance. Mm-hmm. Et vous faites une impro avec ça, en vous basant sur ce que ça vous inspire. Et le mot sera compagnon. Le stagiaire qui doit m'accompagner. Oui, c'est moi, oui. Appelez-moi votre nom. Vous ne vous souvenez plus de mon nom? Vous êtes un stagiaire. Oui, c'est vrai. Mon nom est... Francesco. Et pour vous, je vais faire n'importe quoi. Des photocopies, du café... Peut-être même que je répondrai au téléphone, qui sait. Écoutez, Francesco. Oui. Vous êtes en face de Mumu, la grande Mumu. Ah oui, Mumu. Francesco. La grande Mumu. Je ne suis pas là pour déconner. Ah bon? Nous aurons au moins 36 appels par minute d'ici une heure. Vous vous rendez compte de ça? Mais oui, parfaitement. J'attends de vous l'excellence. Ah oui, attendez-moi l'excellence. La perfection. Ah oui, attendez-moi la perfection. J'attends de vous là, le temps, le timing juste. Ah, j'ai toujours un timing juste, Mumu. Eh bien, prouvez-le-moi. Ah oui? Prouvez votre valeur, Francesco. Et quand j'aurai prouvé ma valeur, est-ce que vous m'accorderez un CDD de 6 mois? Ou peut-être tout de suite un CDI. Si vous faites vos preuves, je vous donnerai autant de CDI que vous voudrez, mais je tiens à vous prévenir. Ouais. Aucun stagiaire n'a été engagé suite à un stage avec la grande Mumu. Laissez-moi vous prévenir, Mumu. Je n'ai jamais fait le moindre stage nulle part. Vous êtes ma première fois. Allez-y, Francesco, je prends des notes. Parfait, alors. Le téléphone va sonner maintenant. J'ai déjà la main sur le combiné. Ce combiné en plastique dur et tiède. Sa main est vive. Elle est prête. Oh, ce combiné est tout dur sous mes doigts. Je n'ai jamais vu tant d'agilité. Oh, je sens l'appel qui vibre. Allô, vous êtes bien au cabinet de Mumu, qu'est-ce que je peux faire pour... Oh mon Dieu, il dégaine, c'est... Oui, je vous transfère tout de suite. Il dit la bonne phrase. Bonne journée. Boop. Allô? Excusez-moi, je vais devoir vous rappeler.
J'ai quelqu'un à engager. Clic. Alors, je commence quand ? Waouh. Highly unprofessional. Graou. Highly unprofessional. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Écoutez, cette personne a tout à fait bien répondu à l'appel. voilà. Oui, c'est ça. Elle a transféré comme il fallait. En attente de l'appel. L'autre pelle. Ouais. Oh. Et bonne année. Sinon, ce serait pas de la pro. Oh mon dieu, je sais que j'ai pas tout de suite compris l'ambiance érotique. J'étais, est-ce qu'on est dans un western, je sais pas. Donc, du coup, au moment où t'as commencé à tenir le téléphone, j'ai fait oh, on est dans ça. T'as compris seulement au moment du téléphone. Ah ouais. D'ailleurs, c'est quand vous réencontrez. Non mais Ize est quelqu'un d'innocent, ok. Oui, voilà, c'est ça. Fait. Quelqu'un de qui part du principe que les gens ont des choses autres à apporter. Et... que du cul. Ben, c'est ça. Et moi, je ne déploie pas assez mes plumes de paon. D'ailleurs, je suis encore bien. Plumes de cul. Les plumes de cul de paon. Plumes de paon de cul. Les plumes de paon de cul de paon. Des plumes de paon paon cul. C'est trop pour moi. Moi et ma virginité, je propose que nous fassions. Moi et ma virginité. Ta vertu. La vertu intacte. Qui vole au-dessus de ce podcast. Like a virgin. That's fun. Toute la nuance est like. Bref, il est temps de passer au coup de cœur. Coup de cœur. Et nous allons commencer par la personne qui a commencé, à savoir Manu. Oui, alors mon coup de cœur, c'est pour un album de musique. L'album Lundi Méchant de Gaël Faye. Alors Gaël Faye, je le connaissais en tant qu'écrivain, parce qu'il a fait pas mal de bruit au moment de la sortie de son livre Petit Pays. Mais je ne savais pas qu'en fait il fait de la musique depuis un moment déjà et il fait ça quand même vachement bien. En tout cas, son dernier album, je l'ai vraiment surkiffé, je l'écoute un peu en boucle depuis. Il y a des influences rap, des influences afro, slam, pop, le tout servi avec une poésie très très belle qui en première écoute ça claque. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut le réécouter plein de fois et décortiquer le sens des phrases, etc., et vraiment savourer chaque morceau. Parfois c'est dur, souvent c'est plein d'espoir, et Dieu sait comment on en a besoin en ce moment. Et le mec se taille un featuring avec Christiane Taubira, qui lui a écrit une chanson. Quoi ? Christiane Taubira a écrit une chanson, ou bien il a écrit une chanson pour Christiane Taubira ? Non, Christiane Taubira a écrit une chanson qu'il lui a donnée et qui chante sur son album. Mais what ? Seul et vaincu, qui est incroyable. Et en plus, wow, le morceau juste après, lui, enfin, je pense qu'il écrit un peu une réponse à ça parce qu'il reprend des petits éléments du texte de Christiane Taubira, mais il met son flow et sa prod dessus. Et c'est vraiment génial. Donc, Lundi Méchant, Gaël Faye. Franchement, allez écouter. C'est vraiment... Gaël Faye. Gaël Faye. Désolé okay. d'avoir non, bah, porté votre je nom. Je trouvais ça drôle comme... Gaël Faye, Lundi Méchant, excellent, foncez écouter ça. F-A-Y-E. Absolument. G-A-E-T-R-E-M-A-L. L-U-N-D-I-M-E, accent aigu, C-H-A-N-T. Très bien, merci Manu. Merci, M-A-N-U. M-E-R-C-I-M-A-N-U. D-E-R-I-E-N-H-I. C'est H-A-M. Eh ben, il y avait une musicalité dans ce truc. D-R-E-I-O-N. H-I. C'est H-A-M. H-I. C'est H-A-M. H-I. Eh ben, c'est à ton T-O-U-R, Hicham. N-O-N. Si, parce que je te laisse la place. Ah, c'est pas comme ça que ça marche, normalement. Mais je suis... Manu avait gagné. F-I-G-H-T. 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 Ah, ok, d'accord. Fight. Bon, d'accord, je le fais, d'accord. Je t'offre ma place. Cette rupture de la procédure me déroute. Ouais, voilà. On ne peut pas toujours gagner. Alors, mon coup de cœur est pour Bad Lip Reading, qui est une chaîne YouTube. Mais c'est pas parce que c'est une chaîne YouTube que j'en parle. Parce qu'à un moment, on se pose la question quand même. Ouais, tout de même. Bah, la plupart du temps, c'est pour ça que j'en parle. Enfin bon, bref. C'est une chaîne YouTube qui, à la base, fait des parodies de films ou de séries, enfin, de médias télévisuels,
en redoublant les dialogues en fonction de ce que les acteurs ont l'air de dire, en le lisant sur leurs lèvres. C'est trop quoi. Cool. C'est trop cool. Lip reading. De deuil, si vous n'avez pas compris. C'est marrant, la base, leur truc, mais si je vous en parle, c'est pas pour l'ensemble de leur œuvre, c'est pour une partie spécifique, c'est pour les chansons qu'ils font. Et les chansons sont dingues. Ce sont des chansons originales et qui reprennent toujours ce délire de prendre des extraits d'un film ou d'une série et de redoubler par-dessus. C'est eux qui ont fait les mouettes. Exactement. Et en fait, ces chansons, au-delà d'être souvent très drôles, sont au-delà de ça, genre vraiment musicalement, je les trouve dingues. Il y en a une série sur les films Star Wars qui sont vraiment folles. La plus connue et sans doute la plus... de manière directe, humoristique, c'est une chanson où ils font chanter Yoda à propos de mouettes. Donc ça s'appelle Seagulls. Mais il y en a d'autres aussi qui sont bien, que moi personnellement je trouve même encore plus incroyable en tant que chanson, comme Bushes of Love, qui est dingue, ou Not the Future, qui est très très dingue. C'est vraiment de la bonne musique. Les instrus sont vraiment, moi, elles me pètent la tête. Je trouve ça super créatif. C'est à la fois très moderne et enfin je sais pas, c'est vraiment dingue. La prod est impeccable, c'est la grosse balle. Je vous mettrai une petite playlist dans la description du podcast pour écouter ces trucs, alors allez les écouter et les kiffer. Bad Lip Reading sur YouTube, et les chansons sont aussi sur Spotify. Mais ça vaut le coup d'aller regarder les vidéos. Oui, les vidéos sont c'est très chouette à voir, mais au-delà de ça, moi je les écoute maintenant en tant que juste musique, quoi. C'est dans mes playlists, dans ce que j'écoute. Voilà, Bad Lip Reading. Merci, Cham. Je vous en proute. Et c'est à MOI. Mon coup de cœur à moi, c'est pour... déjà, ça va être un coup de cœur hyper mainstream, je vous préviens tout de suite. C'est pour la série Arcane sur Netflix. Arcane sur Netflix, qui est la nouvelle série sensation, qui c'est de l'animation, qui l'histoire se centre autour des champions de League of Legends, d'accord, le jeu vidéo. Je n'ai jamais joué à League of Legends, enfin j'ai vaguement essayé et puis j'ai directement abandonné parce que j'aime pas trop le système, mais j'ai bien remarqué toute la hype qu'il y a autour des personnages et des champions. Et là, visiblement, on a l'histoire des personnages. Du coup, si vous aimez le jeu, regardez, vous allez aimer. Mais ceux qui n'aiment pas le jeu ou qui n'ont jamais joué, regardez quand même. Ou ceux qui n'en ont rien à foutre, mais allez-y quand même. Parce que moi, j'y suis allée avec beaucoup d'a priori et même un peu d'élitisme pédant en me disant « c'est League of Legends ». Mais franchement, c'est de la balle. C'est l'une des meilleures séries de toute mon année, quoi. C'est incroyable. L'animation, le cadrage, la psychologie des personnages, on tient à tout le monde. Il y a à chaque fois des comportements terriblement humains et même s'il y a des éléments qui sont fantastiques, et ben on y croit tout de suite. Il y a une harmonie dans tout ça et surtout, il y a un accompagnement musical qui me troue le cul. Qui lui troue le cul. Qui me fait quelque chose. C'est ce que je viens de dire. Le CUL. Le CUL. Mais entre autres, la dernière chanson, What Could Have Been, avec une collaboration entre Sting et Ray Chen. Donc Sting, le chanteur Sting de Metallica. Sting. Oui. Et Ray Chen, le violoniste. Ils ont une collaboration ensemble sur une chanson hyper dark et... Oh, ça m'a... ça ouais, fait... Je pense que ça lui TRUER le CUL. Ça me fait quelque chose, ça me fait vibrer les gens, mais vraiment, allez voir Arcane, écoutez What Could Have Been, vous allez voir. Non, j'en ai entendu beaucoup de bien, que c'est surprenamment bien. Ah ouais. Exactement. Mais moi, la question que je me pose, on m'a dit surtout que notamment il y avait beaucoup de soins apportés à la nuance dans les personnages et des trucs comme ça. Et ma réflexion, étant donné que c'est un jeu avec une communauté extrêmement toxique, Manu et moi sommes bien placés pour savoir ce genre de choses. Un peu dans notre sombre passé de gamereuse. Toute ta famille a le cancer. Mais j'ai fait que mourir une fois. Pour les solo queues sur Heroes of New Earth, sur les MOBA. Moi je me demande s'il n'y a pas une stratégie pour racheter l'image mainstream dans la culture des gens qui connaissent vaguement Internet, qui est le public cible de cette série, je pense. Il y a quand même une image que les MOBA, dont League of Legends, c'est un,
une fausse sceptique de toxicité majeure. Et je me demande si ce truc de faire un truc très nuancé, très soigné, qui est adressé à tout le monde et pas que aux gens qui connaissent League of Legends, c'est pas une façon de s'acheter une crédibilité, oui. En tout cas de changer l'image de toxicité intense du truc. Et justement, j'ai pensé à ça aussi, mais il y a des personnages qui ne sont pas des champions, des nouveaux personnages qui sont tout aussi travaillés, donc c'est pas que... Il n'y a pas qu'un soin autour des champions qui existent déjà, et c'est ça qui j'aime particulièrement. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, du coup, tu l'associes à League of Legends, c'est écrit, c'est Arcane League of Legends sur le poster, quoi. Mm-hmm. Et donc ce truc, c'est pour que le rapport des gens à la marque League of Legends change aussi pour se racheter l'image. Enfin, pour se racheter une image. Et aussi qu'ils ont plein de thunes aussi. Ce qui leur permet de faire des séries de très grande qualité. Mais j'ai pas encore vu et j'aimerais bien voir. Studio Fortiche d'ailleurs qui a illustré cette. Le studio s'appelle Fortiche. Ouais. Fortiche écrit comment? Oh, très Fortiche. Ouais, Fortiche. Bah oui, c'est un studio bien. Français. C'est HE, vraiment? Ouais. Yes. C'est trop cool. Je croyais que c'était en anglais Fortish, tu vois, genre, ou un truc comme ça. Trop drôle, excellent. Voilà. Pour le nom. Oh, putain, j'ai plein de trucs à dire. C'est... Bah oui. Mais... Eh ben, merci pour ce coup de cœur. Mais oui, mais très intéressant. Et il est temps de passer au U-tip, j'allais dire. Mm-hmm. U-tip du jour. Mais oui. À l'U-tip. À l'U-tip. U-T-I-P. U-T-I-P. T'as kiffé? U-T-I-P. U-T-I-P. Bien donné. U-T-I-P. U-T-I-P. Partagé. U-T-I-P. U-T-I-P. T'as kiffé que tu viens d'écouter. Pardon autour de toi. Pardon, pardon, pardon. Si t'as kiffé que t'as écouté. Viens le dire, viens le dire, viens le dire. Sur T-I-P. U-T-I. Viens donner. T-I-P. U-T-I-P. Partager. T-I-P. U-T-I. Propager. T-I-P. U-T-I-P. Faire des trucs encore mieux pour qu'on puisse. Faire des trucs, être heureux pour qu'on puisse. Être encore plus majestueux. Viens donner sur UTIP. Bravo, bravo. Commence à devenir un effort collectif cette histoire. C'est formidable. De plus en plus. C'est formidable. Je pense que c'est vraiment la solidarité teintée peut-être d'une once de pitié pour avoir vu la souffrance de Manu par le passé. Oui, et je vous en remercie. Un truc d'empathie, je fais genre, nous ne pouvons pas la laisser souffrir. J'ai zéro fierté là-dessus, je vous remercie de l'aide. Je pensais aussi, tu vois, se dire, non, c'est douloureux, c'est dur à faire. Oui, chaque année, il y a Manu qui fait, et si on change de rôle, si quelqu'un d'autre présentait l'outil à chaque fois. Non, point suivant. Je ne suis pas au courant de ce narratif. Si elle t'en a parlé à toi, elle m'en a pas parlé à moi. De nombreuses et très longues âgées que nous tenons tous les mois. Oui, voilà, exactement. Pour parler de notre gestion corporate. J'ai mis en ligne l'épisode. C'est quoi? Le dernier épisode de novembre, du coup, le premier épisode de décembre, et le U-tip sur celui-là est vraiment douloureux. Je crois que c'est le 1er décembre, vraiment, celui-là. Je me souviens qu'il y en a un récemment qui était genre « Ouh, L'épisode 14, ouais, l'épisode 14, il est vraiment pas ouf. Bref. Bref, mais là, on est dans l'épisode 18. Et oui, bonne année. Bonne année, dites-le nous sur les réseaux sociaux, sur... Bonne année. On n'a rien préparé. Et si vous n'aimez pas, partagez à vos ennemis. Comme ça, ils vont liker une page que vous n'aimez pas. C'est tellement malin. Et on vous souhaite... Ouais. On vous souhaite de vivre tous heureuses une belle année 2022. Qu'elle soit mieux que la précédente. Déjà. Et on vous souhaite, pour terminer cet épisode, encore une... Bonne année. Non, ce ne serait pas de l'impro.